Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Biodôme sur Planète Zoo. Dans ce nouvel épisode, on va donc continuer ce hall d'entrée, donc ce gros bâtiment qui va servir d'accueil pour les visiteurs. Alors pour rappel, dans le précédent épisode, j'avais travaillé notamment sur l'éclairage de ce bâtiment en y mettant des grandes baies vitrées sur le côté gauche pour pouvoir y faire entrer la lumière, puisque ce bâtiment était relativement très sombre et ça manquait énormément de lumière. J'ai aussi travaillé sur l'entrée de ce hall avec notamment la mise en place de ce gros squelette de baleine. Donc à savoir que ce squelette de baleine, je ne l'ai pas fait moi-même. Je l'ai trouvé sur le workshop et si vous souhaitez avoir le lien, bien évidemment, je vous le mettrai dans les commentaires si vous me le demandez. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais créer la boutique qui va se trouver au rez-de-chaussée. Donc ce sera une boutique factice, bien évidemment, puisque je ne vais pas y intégrer de boutique avec vendeur. Tout simplement parce que j'ai voulu donner à cette boutique un côté très réaliste et je trouve que intégrer le bloc avec le vendeur à l'intérieur, ça risquait de faire un peu trop fermé et moins réaliste. Je vais aussi travailler sur l'étage de ce hall d'entrée en y intégrant un café et une boutique de smoothie avec quelques tables de pique-nique bien évidemment pour pouvoir se reposer et prendre un café tranquillement. Il y aura aussi à cet étage des toilettes, quelques panneaux d'information, une petite fontaine murale qui sera très sympa et bien évidemment il y aura une salle de pause, le centre de recherche et l'atelier de mécanicien pour le staff. Alors comme vous voyez, cette vidéo est un peu plus longue que ce que je fais habituellement, du moins ce que je fais plutôt dernièrement. C'est tout simplement parce que j'ai fait deux vidéos en une, puisque la précédente aurait été beaucoup trop courte et il n'y avait vraiment pas matière à faire un épisode complet. Ce qui fait que j'ai assemblé les deux et j'ai fait beaucoup de découpes. Donc il se peut qu'il y ait des choses que vous voyez dans les cinématiques de fin qui ne sont pas forcément dans les étapes de construction en accéléré. Donc ce sera normal, tout simplement parce que j'ai dû faire des choix dans la découpe en enlevant une bonne partie de certaines étapes. Donc pour ce qui est des prochains épisodes, ce hall d'entrée va certainement faire encore un, voire peut-être deux épisodes. Je ne sais pas trop encore, tout dépendra de comment j'avance à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire des choses de mon côté pour éviter que cela dure trop longtemps. Parce que bon, le jeu s'appelle Planète Zoo et pas Planète Entrée ou Planète Hall d'Entrée. L'idée n'est pas de rester 3 ans sur un seul bâtiment d'entrée. On veut voir des animaux et j'ai envie de vous montrer des animaux. Donc je ferai au plus vite de mon côté. Voilà, en tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous plaira. N'hésitez pas à liker et à partager, comme vous le savez, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de ne manquer aucune notification de mes nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Allez, salut!
Hum.